Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de ce journal. Emmanuel Macron passe un bon week-end car il sait que le week-end prochain, c'est Pâques, il se voit déjà en train de déguster les œufs au chocolat. Les cheminots préparent la grève qu'ils vont occuper à partir du 3 avril pendant 3 mois. Et puis on va terminer ce journal en découvrant un youtubeur qui reprend les journaux de 13h de notre chaîne avec un décor qui reprend le vrai plateau. Et le présentateur, c'est le youtubeur lui-même. Il s'appelle Steven Koum et sa chaîne s'appelle Aera. Et puis on termine ce journal par un youtubeur qui fait des vidéos en notre honneur car il fait des JT reprenant le journal de 13h. Sa chaîne s'appelle Aera et le youtubeur s'appelle Steven Koum. Découverte de sa chaîne avec Damien Pajol. Voici ses vidéos qu'il fait lui-même avec un décor splendide et un bel habillage. Un match nul opposant Lille à Montpellier, c'est alors que des supporters lillois mécontents de ce score ont envahi le stade Pierre-Mauroy, agressant physiquement les joueurs sur le terrain, le LOSC qui pourrait être sanctionné lourdement après cet incident. Je mets beaucoup de temps pour faire les vidéos et j'adore faire partager mes œuvres et de donner du plaisir à mes abonnés. Il a reproduit un peu comme deux gouttes d'eau le plateau du journal. Combien de temps prend-il pour faire le décor? Et c'est cet après-midi aux alentours de 15h que Marine Le Pen devrait présenter un nouveau nom pour le parti du Front National. La première fois que j'ai vu sa chaîne, j'avais envie de m'y abonner, sachant qu'il a commenté une de mes vidéos. Et il m'a cité à m'abonner à sa chaîne et je ne le regrette pas au jour d'aujourd'hui. Steven Koum a une petite ressemblance au présentateur du journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que quelqu'un lui a fait remarquer? On l'ignore pour l'instant, mais il nous le dira peut-être. Mais avant tout, la plus grande ferme de France réputée pour ses animaux et ses produits régionaux accueillis ce matin des mythes. Je rappelle que le youtubeur JPBA TV va clôturer sa chaîne demain. Profitez-en pour consulter ses vidéos. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo d'Evelyne Delia, puis vous retrouverez The Voice. Quant à moi, je vous retrouverai dès demain pour le journal de 13h et de 20h. Très bonne soirée, à demain.